pour une nouvelle vidéo. Donc, Architect, épisode 2. Donc, je suis bien revenu de Paris. Je suis revenu aujourd'hui d'ailleurs. Je n'ai pas eu vos retours car vous m'avez pas donné d'idées dans les commentaires. Donc, ce n'est pas grave, je vais faire du nouveau. Donc, alors j'ai pas du tout préparé cet épisode, ça veut dire que ben, je sais pas trop encore ce que je fais. Mais déjà je pense qu'on va commencer, on va pas faire de couleurs, je pense que ça va être assez dehors ou très nature. Donc je pense déjà qu'on va faire le quartier des affaires tout ici. Donc on va l'espacer de quelques, de 3 pourquoi. Donc on va faire, c'est 5 plus 1 à chaque fois. Alors techniquement un bureau, techniquement 2 attends, you. Si on en fait un devant, ça nous fait 1, 2, 3. Attends, petit problème. Parce que ce serait du 20 sur 15. Techniquement, 20, ça fait 4. Donc déjà, c'est pas assez. Là, on va faire déjà 25. Sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ici. 6. Donc, c'est plus 6. Donc, c'est 31. Hop. En espérant. Et puis donc on va faire une petite porte, une porte, on va la mettre là. Là. Donc dans les planifications, techniquement c'est. Mais je vais peut-être dû faire ça. 5, un mur. 5, un mur. 5, 1 mur. 5, 1 mur. Donc là il y en a 5. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 bureaux. 5 bureaux c'est déjà bien. Sachant que dans le personnel, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parfait. 6, c'est parfait parce qu'il y a, il y en a un que je coupe en deux pour l'avocat et le comte. Donc, on va attendre. Là. Donc, on va faire un petit lien. Je pense qu'on va faire des allées dehors, mais avec beaucoup de portiques. Hein, vraiment. Et j'ai tout. Ah, j'espère que vous voyez pas le message. On avance. Je pense qu'aujourd'hui on va faire les bureaux, la cantine, la cuisine. Je verrai si je pense que c'est long ou pas et on casera peut-être. En fait, je me suis rendu compte que l'autre épisode qu'on a fait est pas du tout court. En fait. Ouais, il est même plutôt court. Ah bon. Donc, sachant que dans ces bureaux, je pense qu'on va faire ça. Tout ici, ouais. Moi ça leur fait des beaux bureaux. Ok,
Donc, maintenant, on va aller s'occuper dans les services. C'est bien beau de construire, mais bon, après, il faut mettre l'électricité. Ah, désolé pour le deuxième Skype. Petite ellipse. Désolé pour la mini-ellipse, donc on en était sur notre truc, on accélère. Donc, je pense qu'on va construire. Ok, donc. Déjà. Youlalalala. Attendez. Petite ellipse encore. Désolé pour l'autre ellipse. Donc, 15 sur Skype, mais là c'est bon, je me suis mis. Grande. C'est pas centré. Ah si, c'est centré. Eh bien. 12 centré. Donc, hop là. Et puis je pense qu'on va faire des clôtures. Donc là, c'était belle. Donc là. Attends. On va peut-être le faire juste un peu plus. Mère ici, c'est le gars qui me met des fleurs. Mais le pire, c'est ce que je vais faire. Donc bon. On va pas trop en parler. À peu près ici où j'irai. Hop là. Donc là. Hop là. Après on verra. Donc on va construire les murs. Et on va peut-être embaucher le plus de constructeurs. En fait, le seul problème avec Prison Architect, c'est que dès que tu as fini ta première prison, tu l'as améliorée, et pas au maximum, mais tu l'as bien améliorée et tout, mais tu commences à en avoir un peu marre parce que tu n'as plus rien à faire. 5 mètres. Mais ouais, donc on en a fait une de trop. Celle-là, on en a fait deux. On va partir. Donc, objet, on va démonter cet objet. Se placer quoi. Hop là. Et. J'essaye de regarder, mais c'est chaud. Je crois que c'est comme ça que le milieu est là. Oui, peut-être un peu plus loin. Juste ici. Hop là. Donc. Là, donc là, ça va être très très bien. Donc, on va mettre des portes dans chaque bureau. Non, au centre. Donc là j'ai les lumières, c'est parce que j'ai détruit un bâtiment. Donc là on va pièce, bureau. Allez les gars, on se bouge hein. Oups, sauvegarde automatique. Toujours un plaisir. Et on est à 10 ouvriers déjà. Je trouve que c'est lent. Ok, donc là on a tous les bureaux et on va pouvoir engager le directeur. Donc, sachant que je suis débile, car le bureau du directeur, je voulais faire un peu plus grand. Mais on va dire que c'est pas grave. Nécessite un bureau. Mais toi, tu vas te déplacer là. Tu m'énerves. Pourquoi je t'ai embauché devant toi? Envoyé. Trop bien. On va directement te faire apparaître. Ah, mais oui, d'accord. Alors, déjà, parquet, parce que je suis.
fou, je me suis dit. Ok, bon, parquet que chez elle. Ok, même pas de parquet. Attends, peut-être qu'on va faire un petit prêt en attendant. Fonds bancaire. Ah non. Alors, centre administratif. On va faire ça. On va gagner du fric. On va aller construire son petit bureau. Hop là. Ça c'est pas centré du tout. Ça c'est centré. Ouais, c'est vite fait quoi. J'ai un objet, un bureau. Non, il va pas être centré. Non, il va pas du tout être centré. Je pense qu'on va faire la technique de secours. Finalement, alors on va faire ça, un comme ça. Ou pas. Attends, je veux que le sol soit placé. Là, je trouve que ça peut faire classe. Il y a un bureau comme ça et un bureau comme ça. Là, ça fait classe. Du côté de l'ordinateur. Allez, les gars, on se bouge. On va mettre là et là. Et c'est pas centré du tout. Je suis déçu. On enlève bien sûr. Hop là. What? Non. Non, en fait, on peut le centrer. Non. Attends, il y a combien là? Deux. Non, on peut pas le centrer, mais on peut le centrer. Hop là. Comme ça. Hop, ça. Ok. J'ai pris du temps à... Hop là. Et puis là, on se bouge, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Oh, finesse. Gars. Allez, on se dépêche. En fait, il faut d'abord tout construire. Alors, construire des bureaux. Il faut que ce soit des bureaux complets. Hop là. Et donc, pourquoi ici, ça ne s'est pas mis? Donc voilà, je vais construire un deuxième bureau. Va être exactement pareil. Hop là. Hop là, je... Alors, oui, en fait, dans le bureau du patron, on va rajouter des choses que les employés n'auront pas, bien sûr. Parce que, voilà, il n'y a plus de respect. Et, objet, donc, elle va jouir. Voilà. D'ailleurs, je voulais juste voir pour le coup. Ah, un play truc. Je regarde qu'est-ce qu'il y a de nouveau, parce que vu que c'est une prison. Quoi? La salle d'accouchement, là, ils utilisent quoi? Oui. Okay. Lave-linge avait été déjà. Non, bah, il n'y a que ça. Oh, je suis déçu. Je suis la déception. Hop là. Alors oui, pour le coup, je voulais prendre quelque chose. Ça, on va prendre des étagères à livres qu'on va mettre ici. À côté d'elle, on va mettre une télé parce que... Non, plutôt une radio. Très très clairement, plutôt une radio. Chut. Je sais pas dans quel sens c'est. Ok, c'est comme ça. Donc, voilà. Et puis, hop là. Et là, donc on va prendre les classeurs. Classeur.
Oh punaise. Là, faudrait juste que j'installe le mod qui remet les trucs bien. Je crois que je l'ai en plus, mais. Attends, juste on va aller voir que j'ai plein de mods, etc. Mod. Alors, qu'est-ce qu'on a? Woman. Je les mets pas ces mods parce que je pense que c'est eux qui me font mettre le jeu en anglais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs. Hein. Sick. What? Je l'avais pas? What? Si, je l'avais. Je suis même sûr. Non, je l'ai pas en fait. Hein? Bref. Hop là. Donc là, on attend parce que les gars, ils veulent pas se bouger. Si, juste, on va mettre de la pelouse. Aujourd'hui, épisode galère. Hein? Ok, donc il y a ça, engager un comptable et déverrouiller les finances dans administration. Ok, donc ça dans administration. Finance. Mais pas 500 euros, c'est quoi ce business? Ok, bah là on se. Santé, bien-être des centres de détention de base. Construire une cellule, attendre, construire une douche, construire une cour, construire une cuisine. J'ai. Oh, punaise. Santé, bien-être du personnel. Ok, je pense qu'on va faire ça, vu que ça c'est les trucs qu'on va faire dans l'épisode. Ok, alors juste, on va faire un truc. On va faire juste, on va transformer. Yes. Juste, on va mettre une douche. On va mettre une cour. C'est juste pour remplir le. Juste pour remplir le. Sécuriser. Comment ça sécuriser derrière au moins une porte. Ok. On va mettre une porte. Mais bon, ils n'ont pas le droit d'y aller. On veut pas qu'ils y aillent. Donc voilà. Et puis ça, c'est la cour. Ok, d'accord. Bah là, on va dézoner ici. Bon, très très clairement, on va plutôt dézoner ici. Je trouve très très bien l'idée que ce soit la cour ici. Là, et donc ici, on va mettre. Juste pour le coup, maintenant qu'on s'amuse à faire ça, la nurserie, elle a besoin de quoi déjà? Alors, elle a besoin de. Une table de service, une table, un banc, un crib et un play. C'est quoi un crib? Un crib. Voilà, ben c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Je l'ai pas trouvé. Bref. Hop là. Donc, les douches, on va mettre un pommeau de douche qui a même pas fonctionné. Hop là. Non. Un pommeau de douche. Et pourquoi j'ai dézoné la douche? Parce qu'elle est à côté. Oui, bah oui. Mais je dors à moitié là. Mais je le veux plus maintenant pour le moment. Du coup, ça me fait pas mal. Bref, donc ça. Donc ça en attendant. Ils veulent que j'engage. Engager un comptable. Engager un comptable. Comptable. L'autre, elle finance. Finance. Sécurité. Psychologie. Santé. Tiens, juridique. Donc là, elle cherche. Donc là, on va attendre. Maintenant, on va attendre. Parce que faire ça? Peut-être qu'en fait, on va remplir quelques objectifs. On va se faire du bif. Mais bon. C'est lent.
Et donc je pense que ici on va se... Alors non, j'ai plutôt pensé à faire du style... un truc vraiment aléatoire, tu vois. Du style ici une cuisine, à côté une cantine. Mais vraiment, je veux vraiment faire une prison très très... un peu comme des bulles en fait qui sortent un peu. Donc au départ, ça va être ben, un vrai hall. Accroché avec un département juridique où ça ce sera tout attaché. Puis après le juridique, ça partira un peu comme des bulles. Ça. Moi j'aime beaucoup cette idée. Bon. Centre de base de détention. Ok. Ça m'énerve le temps d'attente. Bon, je pense qu'on va commencer à construire. Donc, on va construire. Cuisine du 10 sur 10. Je trouve que c'est du 10 sur 10. Hein. C'est pas du 12 sur 12 vu qu'il y a les... Là, et la cuisine, je mets et la cantine. Je vais aussi mettre 10 sur 10, même si je vais mettre 20 sur 20. Très essayé 20 sur 20, sachant que c'est 22 sur 22. Ben, fond suffisant. Je suis dans le cas. Ok, bon, alors on va devoir attendre ça, bien sûr. Je vais mettre une petite porte dessus. La petite porte des fenêtres. Et en fait, les prisonniers vont être assez libres. C'est-à-dire, il y aura des chemins, mais ils ne sont pas obligés les suivre. Donc, je vais mettre double barrage, voire triple barrage tout autour. Absolument pas qu'ils sortent. Okay, donc vite 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 fini 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 5 4 3 2 1 je l'ai et maintenant on va engager un comptable juste pour finir le truc. Comptable va habiter ici en attendant. Ok, donc maintenant on va pouvoir faire une vraie cantine du 20 sur 20 du 22 sur 22 ok d'accord ici oh punaise je me trompe tout le temps et celle-là on va mettre une grande porte de prison hop là après. Donc, on va mettre les pièces. Cuisine. Et la future. Man! Moi, que je préfère, c'est quand je fais la cuisine. Je vais mettre les trucs parce que j'adore. Bon. J'y vais, quoi. Investissement à court terme. Bien-être du personnel, santé à l'arrêt. Faudrait que je finisse ça en fait. Mais je l'ai fini. Mais je l'ai fini. Ah non! Ouais, mais justement. Ah ouais, mais... je suis un peu dans le caca. On prend mon cœur. C'est très bien. Mais j'aimerais bien voir ça en fait. Ouais. Ok, non. Attends, qu'est-ce que je vais faire juste après? Techniquement, ce serait ça. On va prendre ça. Et moi, je vais avoir un petit peu de fric pour finir la cuisine. Hop là. Après, on prend des éviers.
Ah, mince. On va avoir un petit problème. Parce que pour toutes les personnes comme moi, ah non, ça, on va pas l'avoir ce personnage. Heureusement, parce que je déteste ce personnage. Ok, donc là, ils vont. Tu vois. Puis là, il faut les frigos. Parce qu'on va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Et on va mettre comme ça. Ok. Maintenant, on va. Des cuisiniers, je pense qu'il y a de la place pour 5 cuisiniers. Ok, bon. Et maintenant, alors, service. Et là, ça va être chaud. On va prendre ça à peu près ici. Puis on va devoir l'emmener dans la cuisine. Comme ça. Hop, si c'est pas symétrique. En plus, c'est symétrique. Shoot. Maintenant, on peut partir un fil d'à peu près au milieu. Là, on met un deuxième fil, un autre fil. Et hop, au milieu. Et maintenant, l'eau, parce que l'eau, on s'en est pas occupé, mais bon. On va aussi passer le gros tuyau comme ça. On va tuer sur quelque chose de bon. Bien sûr. Maintenant on va faire une grosse avance rapide. Je sais pas si je fais une ellipse ou pas. Non, parce qu'on va, on va commencer à penser au reste. On va faire la cantine. Donc, la cantine qui est assez grande. Franchement, je trouve qu'elle est même très très grande. Trop grande même. Donc là c'est bien. C'est pas très centré. Si, c'est centré en plus. Ouais. Alors, une table de service. Deux tables de service. Trois tables de service. Et pile poil pour quatre. Ok. Donc, on va en mettre quatre. Donc là, on va en mettre quatre autres de l'autre côté, bien sûr. Parce que voilà, on est riche. Et pour l'instant, juste pour finir le truc et avoir notre fric, on va mettre un banc. C'est un banc, ça. Oui, c'est un banc. Non, ça. Alors, une table et un banc. Et même deux bancs. Hop là. Déjà, on va pouvoir finir tout ça. Déjà. Là, c'est d'accès. Ouais, donc là on va faire un mini accès du style en mode matériaux. Hop là, avec une mini avec matériaux clôture. On va faire quelques clôtures au cas où il y a des prisonniers qui réussissent à passer. On va prendre porte du personnel. Moi je fais porte personnel, ouais. Porte du personnel. Donc là c'est bon, il est impossible d'accéder à la cantine à partir de cette cuisine, aucun plat ne sera préparé. Et oh, oh. Et maintenant donc pour l'instant ça, on va prendre une clôture. Pour l'instant on va clôturer ici pour qu'ils puissent aller à la cantine. Pour l'instant, ça va être en clôture. Parce que pour tout ouvrir, faut qu'il y ait la barrière tout autour, et moi je l'ai pas. On va dégager un mur. Ah, alors ça, je l'ai pas donné cuisine. C'est non. Cantine. C'est normal, donc, qu'ils me disent oui, d'abord, voilà. Et donc, là, il n'y a plus de problème. Donc,
Je pense qu'on a fait nos objectifs qu'on avait dit pour cet épisode. On a commencé les bureaux, on a fait la cantine et la cuisine. Les cellules, ce sera pour la prochaine fois, parce que les cellules, je vais y réfléchir beaucoup, parce que j'ai très envie de faire des trucs soit très compacts, soit avec peu de prisonniers, mais très très luxueux. Ou je sais pas, ou pas très luxueux, mais avec moins de prisonniers et tout. Je sais pas, franchement, Mais à vous de me le dire si vous sentez. Donc, on attend que ça devienne une cantine, finalement. Là, il est content parce qu'il a son accès pour lui. Juste, vous voyez les tables, là. Attends, normalement, quand tu restes... D'où il vient d'ici? Ok. Attends, où il est l'entrepôt? J'ai toujours pas fait d'entrepôt. L'entrepôt, on va le caser ici parce que tu peux avoir accès sur tout ici. Je me demande juste matériaux. Retirer tunnel. Enfin, pas retirer tunnel, c'est pas dégagé. Ok. Comment on va enlever ça? La question se pose. À moins qu'on ne peut. À moins qu'on ne puisse pas l'enlever. Me demande comment on va l'enlever. Fondation, on peut rien construire par-dessus. Là. À verrouiller, donc temps. Et carcéral, petite cellule, gardeur, chien. Ou en fait une entretien, je sais pas. Bref, je peux pas tout aider, ce truc. Bref, donc ça, c'est bon, c'est considéré comme une cantine. Bon, ben, sur ce, on va se quitter sur ce deuxième épisode de Pepsi Creep. What? Pourquoi de Pepsi Creep? Non, ce n'est pas Pepsi Creep. Sur ce deuxième épisode de Prism Architect. Sur ce, c'était le Creeper 13. Chaos. Chaos, tu vois. Le gars, il dit ça comme ça, ouais, chaos, tu vois. C'est le gars, il est de haut niveau quand même. Chaos.